Quel âge a Nathalie Renoux? Nathalie Renoux est née le 3 mai 1971 à Angers. La journaliste est donc actuellement âgée de 51 ans. Nathalie Renoux, quel est son parcours? Nathalie Renoux a fait son entrée dans le monde du journalisme par la porte habituelle, en étudiant à l'Institut d'études politiques de Bordeaux et au Centre de formation des journalistes, dont elle ressort diplômée en 1996. Après des débuts sur France 3 Régions, la journaliste bascule de chaîne en chaîne avant de rejoindre M6 en 2006. D'abord aux manettes du 12h50 de la semaine, en remplacement d'Anne-Sophie Lapix, elle présente ensuite les JT du soir tous les week-ends à partir de 2009, puis ceux du midi dès 2013. Nathalie Renoux officie également sur W9, en présentant notamment Enquête criminelle depuis 2015, mais aussi 2050, un magazine une à deux fois par an consacré à l'écologie, et Que s'est-il vraiment passé, un format de décryptage d'un fait d'actualité. Nathalie Renoux, qui est son mari? Côté vie privée, Nathalie Renoux partage le quotidien de Mathieu, avec qui elle est en couple depuis plus de 20 ans. Ce dernier n'est autre que le rédacteur en chef des journaux du week-end de M6. Au départ de ma rédactrice en chef, mon mari l'a remplacé provisoirement, expliquait Nathalie Renoux à propos de l'arrivée de son époux sur la chaîne. Nathalie Renoux a-t-elle des enfants? Nathalie Renoux et son mari Mathieu sont les heureux parents adoptifs de deux garçons âgés de 19 et 13 ans. J'ai adopté deux enfants en Colombie, Manuel, en 2003, à Monteria et Juan, en 2009, à Bogota. Ce sont d'ailleurs les prénoms qu'ils portaient et que nous trouvions très beaux, confiait la journaliste à Téléstar en 2015 avant d'ajouter, avec mon mari, Mathieu, nous ne pouvions pas avoir d'enfants biologiques et nous nous sommes tournés vers l'adoption. De quelle origine est Nathalie Renoux? Bien qu'elle soit née à Angers, si est-il au Sable d'Olonne que Nathalie Renoux a grandi. J'ai toujours vécu au Sable d'Olonne, en Vendée. L'odeur d'iode si est-il un peu ma Madeleine de Proust. Cette région me rappelle mon enfance et je m'y rends une fois par trimestre en moyenne, confiait la journaliste à Version Femina en 2007 avant de préciser avec mes copines nous nous rendions à l'école en longeant la mer en vélo. Nous étions très loin des rues embouteillées de la capitale. Où habite Nathalie Renoux? Relativement discrète sur sa vie privée, Nathalie Renoux semble habiter à Paris. En 2007, dans une interview avec elle, la journaliste confiait, j'habite le 9e arrondissement, près de la rue des Martyrs. Notre appartement est très lumineux et donne sur la rue. Tant pis s'il y a du bruit, si ça chante dehors, j'aime bien. 15 ans après, difficile de dire si est-il toujours le cas, mais dans une interview avec Femme Actuelle parue en décembre 2022, Nathalie Renoux expliquait que son cadet, Juan, allait à l'école dans la capitale. Nathalie Renoux est-elle sur Instagram? Si vous souhaitez avoir un aperçu du quotidien de Nathalie Renoux, vous serez heureux d'apprendre que la journaliste a un compte Instagram. Vous pouvez retrouver cette dernière sous le nom d'utilisateur @NathalieRenoux, et rejoindre les 12 600 abonnés qui la suivent déjà.